emportés par la créer un effet d'eau. Salut tout le monde, dans ce tuto nous allons bosser sur Photoshop et c'est un tuto qui va consister sur comment créer un effet d'eau. Un effet d'eau assez sympa et voici le rendu final. Pour ce faire, vous allez ouvrir Photoshop et vous allez ouvrir un nouveau document, dans Fichier, Nouveau. Et vous allez faire une largeur de 500 pixels et une hauteur de 500 pixels et une résolution de 96. Et vous mettez OK. Une fois que le nouveau document est créé, vous allez changer de couleur en cliquant dans cet outil. Vous allez prendre un gris clair. Et pour faire le gris clair que je viens d'utiliser, vous allez mettre D, C, D, C, D, C, après dièse. Et vous faites OK. Maintenant, vous allez dans le menu filtre. Vous allez faire dans rendu. Vous allez prendre nuage et toujours dans le menu filtre atténuation, dans catégorie atténuation vous allez prendre flou radial et vous dans la valeur vous allez mettre 40 et toujours dans le menu filtre vous allez prendre base relief, donc base relief vous mettez dans base relief, vous mettez dans détail 13 et ici 10, vous mettez OK et toujours dans menu filtre atténuation dans flou radial vous mettez toujours 40 et OK et dans le menu filtre vous allez dans le Chrome, voilà, Chrome, mettez OK. Bon, vous mettez 10, ici 10 et c'est 5. Vous mettez OK. Et voilà, il ne manque plus la couleur. Vous allez maintenir CTRL et appuyer dans la touche U. Pour avoir cette fenêtre, vous allez cocher redéfinir et vous allez mettre ici 190 et c'est 40 et vous mettez OK et voilà, c'est le fait qui fait et plus l'image est grande plus vous prenez au début un gris plus foncé. À la prochaine.